Alors les camarades, là, nous avons un chef militant, général, nous, général Widi Tessier qui avait nous aujourd'hui là. Et bien, travaux qu'a fait et Widi, très veillatif à ces travaux-là. Parce qu'on sentit quand même qu'il est très impliqué dans le bâtiment, hein, ou connaître. Hein. Oui, oui, on est très impliqué dans le bâtiment, d'avoir que là, t'es tout petit, là, t'es tout petit, mon garçon, eh ben, pour moi, t'es financé études à moi, effectivement, t'es qu'à faire un peu manœuvre maçon pendant les vacances. Pendant mon t'es qu'à bombasser, effectivement, eh ben, t'es qu'à faire manœuvre maçon pour moi, t'es effectivement aider famille à moi à payer études à moi avec moi. Donc, quand tu comprends que en matière de montée par au pain, en matière de rendu sage, en matière de béton contrôlé. Comment rendu, c'est vous dit? Rendu sage, on peut monter par au pain, on peut faire un casse-bas. Puisque d'avoir qu'à rester de l'année, par toute vacances en moins, qu'a fait effectivement manœuvre maçon et après envie de manœuvre, à force d'apprendre et de faire. Puisqu'on va commencer qu'à arrimer mortier, on va commencer qu'à laver les outils et puis en fin après paquet de vacances là qu'on fait là, en fin. On ouvrier quand même certifié, en niveau maçon certifié. Alors, c'est ça, nous devons parler de fois, nous devons parler de physique ou non physique qui robuste même. Et après, c'est là que nous faisons parler, on dit, mais physique là, ça a senti qu'elles sont plutôt fait naturel. On dit, mais c'était qu'elles sont qui fait chantier parce que dans le physique, ou quoi qu'on sentit pas physique à mon qui a fait bébel. Quoi, c'est pour aller faire là, c'est bodybuilder là. Ou quoi, c'est vraiment physique à bébel. Ou quoi, c'est un physique à moun solide, moun qui gaya. Et on dit, moi, c'est peut-être un moun qui fait bâtiment, c'est bien ça. Oui, oui, c'est bien ça. On dit, pour moi, de payer effectivement études à moi, en tout cas pour aider la famille, puisqu'on est avec grand-mère en moi. Eh bien, nous, en tout cas, effectivement, faire manœuvre maçon. Et après, depuis l'entente sixième, hein, jeune Tibourg, hein, jusqu'à temps arriver effectivement à faire études supérieures, etc. Alors, anti-question, qui est-tu d'où fait? En fait, les études en agronomie. C'est-à-dire que tout ce qui est l'agronomie, l'agriculture, effectivement, singulièrement dans le sanitaire de l'élevage, effectivement, en termes de protection des animaux, tout ça, c'est spécialisé effectivement dans ça. Donc, sur tout pays Guadeloupe, c'est ça en travail. Donc, voilà quoi. Donc si demain nous avons un projet dans l'agriculture aussi, dans la lutte, vous savez guider nous dans ça aussi? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et nous avons constaté effectivement, mais l'un des projets, effectivement, qui est attaché moi à ça, c'est le projet Total là. C'est inadmissible ça qu'a fait en bas là. C'est inadmissible. Effectivement, on y a un maire communal qui a autorisé effectivement, dernièrement matin dans le conseil municipal là, quand on Simonal qui a autorisé à Bamoun leçon de démocratie et de machin, alors que Monal est en train de vendre pays là. Il a vendu pays là, bah total. Vous suivez, il a vendu pays là, alors que des terres effectivement, qu'on peut faire agriculture pour faire peuple à manger, eh bien, nous avons transformé en multinational et tout le monde en nous, au chômage, tout le monde en nous, etc. Et parallèlement à ça, qu'on a constaté, eh bien, l'État français qui a dit pour détortir. Pour détortir, depuis 20 ans, cette tortue-là qui a fait des affaires, pour détortir, eh bien, Caracoli, eh bien, il y a fait Bougafoukan, et puis effectivement, tout partout là, Guadeloupéens peuvent vivre, tout partout là, Guadeloupéens peuvent organiser pour faire Pépé vivre, eh bien, c'est monsieur qui a organisé, en complicité avec des élus communaux, parce qu'il faut le dire aussi, des élus communaux, effectivement, pour effectivement faire en sorte que un Guadeloupéen disparaisse en pays Guadeloupe. Donc, nous devons tout comprendre que l'opération là, Jodla, que nous avons fait là, c'est pour bien dire. Que nous comprenons GAO, nous comprenons totalement GAO, et nous te disons tout simplement qu'un fourmi rouge ne peut pas y passer. Un fourmi rouge ne peut pas y passer, et une zone d'olive ne peut pas y passer, parce que nous te disons organisé avec Esther pour y trouver une solution. Pour y trouver une solution. Mais quand il a fait l'imbécile, parce que certains Babylone a éveillé, certains qui préfèrent éveiller, certains que tout ici avait, géomètre, tout le monde avait, parce que c'est comme ça qu'il va fonctionner. C'est une organisation mafieuse en pays Guadeloupe qui est là pour dépouiller Guadeloupéens de patrimoine. Alors nous avons dit, ces messieurs, nous comprenons ça et que c'est en première étape, toujours une étape, une étape, une étape, une étape, et nous avons fait en sorte que nous réglions ces problèmes-là sans pays Guadeloupe, parce que aujourd'hui, il faut que Guadeloupéens comprennent que c'est Guadeloupéens tout seul qui peut faire un bitin par Guadeloupéens. Des Guadeloupéens déterminés. C'est tout ça qui peut faire, autrement dit, la société civile, des têtes, prend les choses en main, fait ça qu'il y a à faire, construit des brigades d'intervention, parce que ça aussi, c'est une brigade d'intervention et qui a fait un travail fondamental en pays Guadeloupe, hein, et moi, j'ai apporté contribution, moi, qu'on peut, mais c'est vrai que ça qui a fait en pays Guadeloupe, c'est ça pour tout Guadeloupéen,
comprendre et pour tout Guadeloupéen comprendre que c'est ça qu'on nous fait d'avoir que ces messieurs qui font nous sorte d'endormissement au suivant. Avec maire, avec politique, avec président, avec loi, avec tous ces bitins, ces bitins qui font pour eux, pour justement dépouiller nous. Mais camarade, justement, de quoi parlez-vous des élus, encore avec un peuple là qui a remonté, qui a rebellé de plus en plus, qui a parlé, et nous vrai, notamment, dernière fois là, tenu même en allo, que effectivement, ils mettaient un lame là, et ils disent qu'on ne s'est pas écouté la jeunesse, donc la jeunesse dit qu'on ne s'est pas effectivement rentré dans tout ça. Le peuple qui a rebellé face à tout ça que ces mecs là ont fait, est-ce qu'on a dit ça qui est de pire en pire? Ça qui est de pire en pire, et force ça aille de pire en pire. Et pourquoi on dit pourquoi faut ça de pire en pire? C'est d'avoir que ces mecs-là, toutes ces mounanies en djelayo, cette gagne en djelayo, la jeunesse. Donc, qui j'en peux dire moins? Ou ve, bah la jeunesse travaille. Ou bise protéger jeunesse en nous, mais parallèlement, entre ça qu'on dit, c'est-à-dire protéger jeunesse en nous, bah jeunesse en nous travaille, ou qu'on constate que ces messieurs qui ont fait en sorte pour pas jeunes en nous pas travailler, en pays-là, yo ka organiser yo pour moun ki ja des moun des moins jeunes qui ja installé qui ja 20 ans karakoli ka existé. L'autre là c'est à Paul lui combien de temps c'est pour développer yo investi yo porter méthode et ben yo ka couper zebaba en complicité avec ces là. Donc autrement dit c'est mais c'est pas pour la jeunesse. Et ça pour yo peut comprendre c'est que jeunesse là ou vezia yo parce que la jeunesse c'est qui moun. La jeunesse a pas et si moun a mornal qui ka bred lo qui ka parti faire études à tout partout dans le monde et ka viré et ka dit ouais je suis diplômé de qui si je suis diplômé de ça. A pas ça qui jeunesse en nous. Jeunesse en nous c'est alors qu'on va papier mangola papier piste là de 6h du matin à 6h du soir. Et d'autres qui prend la relève de 6h à l'autre 24 heures sur 24 si moun a nous ka erré. OK? Et yo ka diou la jeunesse et yo ka pense leur di la jeunesse c'est timounayo avant cuyer d'argent gelayo mais c'est ça la vérité. Donc jeunesse en nous comprendre ça les soldats de la liberté parce que c'est ça qui jeunesse en nous on lokama de moins ouais qui moun ki soldat la soldat de la liberté c'est jeune en nous avec un grand G comment non c'est jeune en nous d'accord et yo comprendre ça donc faut se comprendre plus ça que yay plus yo ki pran roche parce que c'est ça le mot d'ordre. Roche en chouayo, même si yo pas bougé. D'avoir que ces messieurs, c'est des criminels. Ces messieurs qui apportent méthode pour faire jeunesse en nous disparaître. Ces messieurs qui apportent méthode pour faire agriculture en nous disparaître. Pour nous bannir à un pays là, et là, en Guadeloupe, c'est qu'on quatre postales ou que vrai. Alors, bien évidemment, nous avons demandé ces jeunes-là à prendre contrôle à pays à yo. Tout jeune en nous. A pas nous Pakistanais, nous Chinois, nous Russes qui viennent faire mettre nous en pays là, si ce n'est pas nous-mêmes, jeunesse en nous, qui prend la main, à si c'est malfroid là, ça, c'est des mafieux. C'est ça, c'est messieurs en pays là. Donc nous disons jeunes en nous avons dit les soldats de la liberté, intensifier les couroches, oui, nous avons dit ça. Intensifier les couroches jusqu'à temps qu'ils comprennent. Yo comprendre que si dans ces pays en nous, ces pays à les ancêtres qui là effectivement qui portent méthode ban nous. Identifier les courroches et faire tout ça qu'il y a à faire pour les mains, pour yo tout rentrer en côté. Pour les Babylone aussi intensifier tout partout parce que c'est Babylone n'a tué Clodo. Yo tué Clodo, conchien. Alors non, nous payons pour ça. Non Clodo paye pour ça. Non Satan nous paye pour ça. Non les soldats de la liberté paye pour ça. Et nous quoi dire les bonnes amours, on a les consorts. Nous qui de toute façon rentrons en Chouayo. Est-ce qu'elle nous peut dire que ces responsables du gouvernement là, ces ministres là, qui ont un mauvais exemple dans la mesure que l'autre jour, nous avons un ministre de l'économie qui vient en Guadeloupe et il vient ainsi interviewer ce plateau à Guadeloupe première. Alors à la fin, le journaliste là a dit comme ça, oui, mais monsieur le ministre, vous n'êtes pas allé voir le peuple, vous êtes resté, vous n'êtes pas allé voir le peuple. Il dit, mais oui, mais et les jeunes entrepreneurs qui sont venus, les start-up, ils font aussi partie du peuple. C'est ce qui veut dire que lui-même, il a dit qu'on sait que pour lui, le peuple, c'est ce mouna qui janit là qu'on a dit là parce qu'il dit qu'on sait vrai le peuple. C'est-à-dire que depuis qu'il fait des petites réunions qu'on sait ministre, il n'a pas bousé vrai les jeunes en papier mango qu'on a dit. Donc est-ce qu'elle nous a dit jeunes en nous, pas qu'à sentir insultés déjà par les ministres, c'est que c'est mais là qu'à suivre aussi, même moi la ministre là. On est des ministres, dernière date, Monceau, Karen Kola. Il traitait des gens qui l'a depuis nani nana. Il dit c'est mon a resté gentil. Ok, déjà, il n'y a pas de main d'affaires là.
et que vous installez toujours les mêmes projets, vous installez ça, vous voulez en Guyane. Vous avez tuer toute l'Amazonie en Guyane. Pour vous faire mon évaillé, vous avez tué des peuples, vous avez fait des peuples disparaître. Pour vous faire mon évaillé, je dois vous faire nous disparaître pour qu'il vous dise que c'est une torture. Des tortues capone, ou quoi font bouki là depuis 20 ans traversé. Et vous comprenez, nous que gardons, on fait ça. Nous que gardons en Guadeloupe qui fait ça. Nous que gardons Missier qui a passé qui fait ça. Ok? Nous que gardons Mornal qui a fait avec toute terre agricole pour peuple nourrir peuple là qui fait ça. Nous que gardons qui fait ça. Nous quoi dit non, nous ne pouvons garder qui fait ça. Et comme ils sont méprisants, parce que c'est du mépris, et en plus de ça, ils sont racistes. Tous ces ministres-là qui là, là, c'est des racistes. Préfets-là sont racistes. Procureurs-là sont racistes. Ils ont tué Claude Conchien et ils ont protégé. Ils ont protégé. Gendarmes-là, ils ont transféré des deux jambes-là. Charnier. Charnier, l'autre là, encore bien non aïe. Ok? Donc, nous, quand ces messieurs, de toute façon, nous parlons, bah, yo. Nous parlons, bah, yo. Et que, yo, peut venir faire petit plateau, défiler sur les plateaux. Continuez s'il de nous. Mais, crapaud capote ni net. J'en ai nous qui comprennent qui moun qui moun. Yo savent qui moun et yo savent qui moun qui défend et yo. Et yo savent que c'est yo et yo même qui peut défendre et yo. Mais c'est ça la vérité. Bien, merci camarade Widi Tessier. Applaudis les amis, applaudis, applaudis parce qu'il parlait avec KAI. Il parlait avec KAI.